Bonjour. Le service de formation continue en sciences humaines et sociales de l'Université catholique de Lyon vous propose une session intitulée « Empathie et exigence ». Cette session s'adresse à des personnes en direction, responsabilité d'équipe, mais aussi à toute personne impliquée dans un acte éducatif ou d'accompagnement. Toute personne qui souhaiterait peut-être se positionner de manière plus juste entre l'empathie et l'exigence, vécue parfois comme des contradictions, comme une contradiction, tandis que nous faisons ici le pari qu'elles peuvent se conjuguer ensemble. Aude Giuliani vous permettra de vous outiller en ce sens. Alors bonjour, donc je m'appelle Aude Giuliani et ici à l'UCLI, en fait, je propose un parcours intitulé Empathie-exigence. Et en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est un parcours de reconnaissance et qui va nous permettre à la fois de nous arrêter, d'écouter, de regarder et de prendre du recul par rapport aux situations parfois chaotiques qu'on traverse au niveau professionnel. Donc l'idée, c'est effectivement de se centrer sur la relation à soi, la relation à l'autre et aussi ce qui peut se passer en fait dans les interstices. Donc la relation à l'autre, à soi. C'est ce qui va guider en fait les ateliers. Et donc les ateliers dans lesquels vous pourrez expérimenter pas mal d'outillages donc qui vous permettront à la fois de naviguer entre justement cette empathie et cette exigence qui est requise et dont on a besoin pour à la fois poser nos propres limites, en douceur bien sûr, avec une petite nuance de fermeté, et permettre aussi effectivement de garder ce cap d'une relation vécue avec bienveillance, dont on a bien besoin en ce moment. Je ne vous apprends rien. Donc l'idée, ça va être de pouvoir élargir le menu des issues qu'on pourra donner aux différentes relations qu'on peut avoir au travail. Se positionner de façon un petit peu plus juste, plus adéquate et aussi plus écologique. Aujourd'hui, c'est aussi un thème qui est important et l'écologie pour soi, en termes de ressources, de capacités, de limites et aussi d'éthique. Donc c'est cet espace-là dans lequel moi, je vais vous convoquer, entre guillemets, pendant 2 jours, où on va expérimenter exigence, empathie, écoute de soi, lien à soi et responsabilité. Voilà, je vous remercie, au plaisir de vous rencontrer.